Bienvenue à Jean-Paul Delevoye, aussi un peu sur ses terres, originaire de cette région, ancien ministre, ancien président du CESE. Et on sait que sur ces dernières années, vous avez pas mal animé de travaux, de réflexions, de propositions qui ont pu nourrir ces grands débats autour de la transition énergétique. Alors avec vous et jusqu'à 11h, on va faire un peu de politique, de la belle politique si vous voulez bien. On sait très bien que les enjeux énergétiques sont certainement le facteur d'impact numéro un de la géopolitique et à l'échelle mondiale. Et puis tout de suite, puisque Patrice Vergriete nous l'a dit il y a quelques instants, il y a la dimension européenne. Alors, comment voyez-vous les choses sur cet échiquier mondial et a fortiori sur l'Europe? C'est le sujet qui nous intéresse. Comment l'échelle de la planète vit, anime, intègre la donne énergie? D'abord, merci Jean-Michel, merci à Patrice et à Anne de nous avoir co-invités. J'étais frappé d'ailleurs par le symbole, Patrice et Anne, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes deux villes du littoral ouvertes sur l'océan, dans une France qui est un pays d'une puissance maritime et qui tourne le dos à ses océans. Et donc, c'était un formidable symbole. Tout le monde a en souvenir Dunkerque, mais personne ne mesure l'importance dans le rôle énergétique de Dunkerque. Et tout le monde a oublié, mais est en train de se révéler, la formidable attractivité de Bordeaux. Deuxième élément, je voudrais attirer votre attention, cher Bruno, mais je sais que vous partagez cet avis, c'est qu'en réalité, il ne faut pas se tromper d'objectif. La transition énergétique pour la transition énergétique, ça ne veut rien dire. L'énergie est un moyen. Quel est l'objectif politique et qu'est-ce qui est en train de se passer? Et il y a plusieurs vérités à asséner. Je crois que tout le monde était fasciné par la réussite de la diplomatie française sous la conduite du président sur la COP21, par la méthode, elle a été saluée, par l'appropriation. Et je crois que c'est quelque chose sur lequel il faut être attentif, c'est la formidable conjonction des planètes. Aujourd'hui, il y a une volonté politique mondiale de relever ce défi. Il y a des technologies qui nous permettent d'apporter des solutions à portée de la main. Il y a des financiers qui sont aujourd'hui très mobilisés. Mais surtout, il y a un momentum politique sur lequel j'attire votre attention et qu'il ne faut absolument pas rater. C'est un, la brutale apparition dans la conscience de chacun des citoyens du monde de la fragilité de la planète. Nous avions vécu dans une insouciance d'un développement économique sans limite. Ce rideau d'insouciance a brutalement été déchiré grâce, et ça aussi pour les politiques, il faut tenir compte de cela, c'est rien n'est possible pour changer le comportement des gens s'il n'y a pas une respiration démocratique qui vient heurter la temporalité politique. Si le politique, si vous voulez, Winston Churchill disait, l'homme d'État, l'homme politique est obnubilé par les prochaines élections, l'homme d'État est obnubilé par les prochaines générations. Et donc il faut arriver dans ce type d'analyse, non pas à regarder le retour d'impact électoral qui forcément est à court terme, c'est quelle est la mobilisation que peut avoir par une vision à long terme et à moyen terme. Et ça, c'est un acte de responsabilité qui, à mon avis, peut redonner un moyen de renouer le lien entre le citoyen et le politique. Et la COP21 a été le retour à un crédit politique. Il n'y a jamais eu autant d'États qui ont ratifié. Mais là où Bruno a raison, c'est qu'aujourd'hui, une loi ne vaut rien si elle n'est pas appliquée. Et la COP21 ne vaudra rien si dans les quelques mois, à New York, 55 États ne signent pas, qui représentent plus de 55% des émissions de CO2, ne signent pas les accords. Et si derrière, Anne avait raison de souligner, les diplomates négocient, Montesquieu disait déjà, les États n'ont pas d'âme, ils n'ont que des intérêts. Ce qui a été fascinant dans la COP21, c'est que les citoyens ont mis une âme, en disant nous voulons nous rapproprier cette capacité de pouvoir, par rapport à cette fragilité de la planète, agir. La deuxième conjonction qui nous rend encore plus responsables, c'est la brutale année 2015 où on a vu la fragilité de la condition et de la vie humaine par ces attentats du début et de fin d'année. Si je dis ça, ce n'est pas pour susciter l'émotion, c'est que j'attire votre attention qu'on ne peut mobiliser l'action de chacun et de chacune d'entre nous que pour se battre, pour éviter ce que l'on a peur de perdre. Et ce que l'on a peur de perdre, c'est ce à quoi on accorde une fragilité. La fragilité d'un amour, la fragilité d'un travail, la fragilité d'une région,
la fragilité d'une planète. Et qu'aujourd'hui, donc, vous avez, vous, les politiques, et vous, les techniciens, une formidable capacité de mobilisation, tout simplement parce que les citoyens attendent une espérance nouvelle. Qu'est-ce que je peux faire pour préserver ce à quoi j'accorde la fragilité, ma planète et ma vie et mon voisin? Et je trouve ça assez fascinant, ce qui est en train de se passer, parce que nous sommes dans un moment où les vents mauvais sont en train de l'emporter sur toute la planète. Nous avons un cocktail extrêmement explosif d'un discrédit politique, d'une angoisse sociale et d'un antisémitisme dans les années 30, d'un anti-musulman sur les années actuelles. Mmh. Et nous voyons bien que partout nous assistons à une radicalisation de la vie politique, à une radicalisation dans les rapports sociaux, à une radicalisation même y compris religieuse. Et si nous arrivons à réemprunter ce que Lévi-Strauss disait, il y a trois très grands sentiments dans les nations qui soudent des nations, c'est l'espérance, les peurs et les tentations de fuir. Nous sommes dans un moment où les espérances collectives ont disparu, les gens ne croient plus du tout aux idéologies politiques de l'ultralibéralisme qui a été autorégulé, 1% de la planète qui possède 50% de la richesse mondiale, pas de régulation, développement des inégalités. Et tout le monde est en train de s'interroger sur la relance keynésienne. Il n'y a jamais eu autant de capitaux sur la planète, mais il n'y a jamais eu aussi peu de capacités, d'opportunités d'investissement. Donc nous sommes dans un moment où nous sommes orphelins d'une espérance politique que l'on ne voit pas. Et on a, et je ne le critique pas, mais dans le monde entier, on a des appareils politiques qui se constituent plutôt pour la conquête du pouvoir que plutôt pour porter un projet de société. Et partout dans le monde entier, les partis anti-système sont en train de se mettre en place. Donc il va falloir quand même qu'on s'interroge. Est-ce que c'est le système qui doit se remettre en cause? Ou est-ce que c'est les contestataires qui n'ont pas le droit de contester? Or, le décalage que l'on peut apporter, c'est qu'aujourd'hui, nous rentrons dans une société de l'intelligence. Nous avons été dans une société rurale, exploitation des matières premières du sol, industrielle, exploitation des matières premières du sous-sol. Nous sommes dans l'économie de l'intelligence et de l'innovation. Et l'innovation, c'est la contestation, c'est la remise en cause du système. Et l'avenir appartiendra non pas aux plus anciens, ni aux plus puissants, mais à ceux qui savent s'adapter. Et le génie de la France, la force de l'Allemagne, c'est l'obsession du process, la force de l'Angleterre, c'est l'obsession du résultat, la force de la France, c'est son intelligence et son innovation. Et je crois que notre système politico-administratif n'a pas compris encore aujourd'hui, il est encore trop centralisé et trop raide, que l'avenir appartiendra à l'innovation, à l'adaptation. Et quand je disais à Bruno Langevin que son évolution de l'ADEME, qui n'est plus un distributeur de subventions, mais un révélateur de solutions, c'est qu'il faut challenger les territoires. Il faut ouvrir l'intelligence. Il faut avoir des contrats d'objectifs et non pas des contrats de moyens. Et je trouve qu'il y a aujourd'hui une mobilisation formidable dans un moment, et je terminerai là-dessus, d'une extraordinaire gravité du monde. L'énergie est aujourd'hui une bataille dont on ne mesure pas la gravité qu'elle est en train d'engendrer. Le brutal basculement d'un baril à moins de 30 dollars, c'est la dramatique situation des pays émergents et des pays du Maghreb qui peuvent se retrouver en faillite et avec des révoltes du pain immaîtrisables. C'est la remise en cause d'un certain nombre d'investissements industriels, 300 milliards. Ça peut être le raidissement d'un certain nombre d'États. Quand je vois le journal distribué sur EDF, j'évoquais ça avec Bruno, on voit bien qu'aujourd'hui, EDF a besoin de 20 milliards d'euros par an pour essayer de renouveler un parc nucléaire et d'essayer de relever le défi d'un opérateur national, voire européen, pour relever le défi de la maîtrise énergétique et de la régulation. Aujourd'hui, avec le plan d'économie, il peut dégager à peine 2 milliards. C'est-à-dire qu'il y a une impasse annoncée. Il y a une impasse annoncée. Et donc aujourd'hui, nous devons être attentifs les uns et les autres que cette opportunité d'une réflexion sur les nouvelles modes énergétiques, c'est un moyen d'apporter une stabilisation territoriale dans un monde qui va être de plus en plus instable. Car de l'autre côté, quand vous regardez que 10 millions de barils quotidiens de l'Arabie saoudite passent par les territoires chiites, quand vous voyez aujourd'hui la tension entre les sunnites et les chiites, la brutale fragilité des oléoducs peut refaire monter le baril à 200 dollars. Donc nous sommes dans un moment où la force d'un État, la richesse et la puissance politique d'un État n'est plus la maîtrise de ses matières premières, même si on voit ça, c'est la maîtrise des flux. Et nous voyons bien aujourd'hui avec les migrants la difficulté qu'il y a.
d'où l'importance de la Chine, sur etc., etc. Et donc, développer l'indépendance territoriale ou la réduction de cette indépendance par une maîtrise d'énergie alternative plutôt que de dépendre des énergies fossiles est un atout d'une formidable importance politique. Le deuxième élément, permettre à nos concitoyens non plus d'être consommateurs de la République. Nous avons, la France est un des rares pays au monde à préférer la jouissance du pouvoir à l'exercice du pouvoir. Et que l'obsession du pouvoir a fait que l'on a créé des illusions pour séduire les électeurs qui ont parfaitement compris qu'à partir du moment où la faiblesse du politique était la dépendance de l'électeur, et on a tous été hypocrites, on a tous choisi les politiques non pas pour les grandes causes, mais pour la défense de nos intérêts, et l'État est devenu une fiction qui permet à chacun de vivre au détriment des autres. Mais on est tous devenus consommateurs de la République. J'ai pas envie que le prof soit bon, j'ai envie qu'il mette 20 à mon gamin. J'ai pas envie que le juge soit juste, j'ai envie qu'il fasse mal à celui qui m'a fait mal. Et on voit bien que les maires ont dit « ton programme à 25 ans, je m'en fous, je veux un trottoir en bon état ». Si nous n'arrivons pas aujourd'hui à faire évoluer ce consommateur de la République vers un acteur du territoire, on ne pourra pas construire de responsabilité collective sur des irresponsabilités individuelles. Et le fait d'avoir une temporalité politique qui passe par la pédagogie des enjeux, nos concitoyens sentent bien qu'aujourd'hui il y a quelque chose sur l'énergie. Ils sentent bien, mais ils ne savent pas bien quoi faire. Plus une participation au débat. Or, la France a besoin aujourd'hui aussi de retrouver la culture du débat. Quand on débat en France, contrairement à d'autres pays, on veut terrasser celui qui ne pense pas comme vous. Et on est dans l'incapacité d'avoir des débats intelligents sur le nucléaire, sur les nanotechnologies, parce que fortement, c'est un rapport de force, où celui qui pense, pense qu'il a raison, etc. Il faut que nous retrouvions ce sens du débat, ça ne pourra se faire que sur l'aspect des territoires. Comment faire en sorte que celui qui ne pense pas comme vous est un facteur d'enrichissement ? Parce que c'est le décalage, c'est la contestation, c'est la remise en cause d'un système ancien qui permettra à celui-ci d'avancer. Et dans l'économie cérébrale dans laquelle nous rentrons, c'est la connexion, c'est la fluidité des informations, c'est le choc des différences qui va créer cette innovation. On ne crée pas l'innovation dans les « big is beautiful », c'est « small is beautiful ». Et donc, on voit bien que chaque acteur, chaque citoyen, à partir du moment où vous mobilisez son intelligence, vous lui manifestez un respect, un crédit qu'il n'a pas. La France est un mésestime d'elle-même. Elle a besoin de retrouver une fierté d'elle-même. Et quand sur les territoires, vous dites à nos concitoyens, vous pouvez être un acteur d'une énergie alternative, on peut vous accompagner pour maîtriser votre reste à vivre, parce que dans la croissance faible dans laquelle nous sommes, là, nous allons passer d'une économie de la performance à l'économie de l'épanouissement, de l'économie de l'acquisition à l'économie du partage. Et dans l'économie de l'innovation, l'échange n'est plus un échange marchand équilibré à zéro. Je te donne 20 euros, tu m'as pris 20 euros égale zéro. Je te échange mon savoir, tu me donnes mon savoir, 1 plus 1 égale 3. Et donc il y a un formidable enjeu de stabilité territoriale sur le plan d'une instabilité politique mondiale, un formidable enjeu de dépendance par rapport à une capacité de production, un formidable enjeu d'attractivité, j'ai oublié cet argument, c'est qu'il y a un drame pour les politiques aujourd'hui, notamment dans les républiques royales qui sont les nôtres. On est toujours dans l'idée de dire un prince, une religion, un territoire. Et en tant qu'élu, ou en tant que président de la République, ou en tant qu'Europe, de dire je veux maîtriser mon territoire. Or, le monde d'aujourd'hui est un monde de disparition des frontières. Plus personne ne maîtrise la circulation des capitaux. Plus personne ne maîtrise la circulation des hommes. Plus personne ne maîtrise la circulation des idées. Plus personne ne maîtrise la circulation des marchandises. Et donc l'objectif, ce n'est pas la puissance d'un territoire à l'intérieur de ses frontières, c'est l'attractivité d'un territoire pour faire venir les richesses du monde entier, l'intelligence du monde entier. Et quelles sont les exigences du monde de demain? C'est un territoire qui aura des indicateurs de santé, de bien-vivre, d'épanouissement. Et la réflexion sur les indicateurs de qualité de vie sur un territoire vont être extrêmement déterminants pour mobiliser l'intelligence du monde par la connexion. Et l'on voit bien que l'effort qui est aujourd'hui engagé par la France d'une permaculture, agriculture de proximité, qui vivra à côté d'une agriculture industrielle, dépenser, vivre plus longtemps en dépensant moins, toutes ces équations qui apparaissent aujourd'hui impossibles sont un défi extraordinaire à l'intelligence. Et donc moi je suis ravi, cher Bruno, cher Patrice, cher Anne, que effectivement la réussite passera par les territoires. Nous sommes fascinés par le fait que l'intelligence collective, on ne peut pas imaginer que l'économie collaborative dans laquelle nous sommes, l'économie de la connexion,
puissent continuer à vivre avec un système qui consiste à dire que la vérité est d'en haut et il faut obéir. Nous sommes dans un moment de transformation absolument extraordinaire. Nous avons vécu dans la culture où quand on est curé, on veut que le fidèle obéisse, quand on est secrétaire général d'un parti, on veut que le militant obéisse, et quand on est politique, on veut que le citoyen obéisse. C'est fini. Les gens ne veulent plus obéir. Ils veulent choisir. Choisir, c'est plus long. Mais quand les gens ont choisi, c'est plus solide. Et donc, on voit bien que cette stratégie d'une vision, et on ne peut faire changer les gens que s'il y a une vision, et si l'espérance du futur n'est pas largement supérieure à la douleur du quotidien. Et donc, je trouve ça fascinant qu'effectivement, nous avons deux attitudes devant ce défi qui est devant nous. Se coucher, baisser les bras, c'est impossible. Pleurer sur le lait renversé. Ou au contraire, croire en notre intelligence, en notre capacité de mobiliser. Et dites-vous bien que quand on donne au peuple les moyens d'être intelligent, il est intelligent. Et donc cette mobilisation de l'intelligence collective fait que nous pouvons réveiller une citoyenneté, restabiliser un monde politique aujourd'hui extrêmement en difficulté et peut-être d'éviter les tensions des vents mauvais que l'on voit apparaître, où la radicalisation des rapports entre les hommes fera que le racisme social, le rejet de l'autre, est lié aussi à la difficulté de vie. On ne peut défendre les valeurs de la République que quand on a le ventre plein. Et faire en sorte que les gens puissent maîtriser leur coût de vivre pour pouvoir mieux vivre est un formidable enjeu politique. Je vous souhaite une très belle réussite. Merci pour ces encouragements. Mais pas vous en tirer comme ça quand même deux, trois questions complémentaires. Bon, vous avez bien mis le doigt sur la fragilité de cette planète, tant physique que dans sa gouvernance, son animation. Vous avez expliqué la nécessité d'une vision. Alors je reviens sur ce que disait Patrice Vergriet. Lui, il nous affirme que l'Europe, sur le sujet énergétique, est une bonne échelle, franchement. L'Europe aujourd'hui, elle a sa vision ? La dimension des problèmes impose la dimension des réponses. Et le monde manque de régulation. La dimension européenne est une dimension absolument nécessaire. Nous ne souffrons pas de trop d'Europe, nous souffrons d'un manque d'Europe. Et il est évident qu'aujourd'hui, la monnaie unique, si elle n'est pas accompagnée d'une politique budgétaire, etc., etc., va accroître la différence entre les pays riches et les pays pauvres au sein de l'Europe et créera des risques d'éclatement de l'Europe. Le formidable défi qui est aujourd'hui lancé à la planète, défi alimentaire, défi énergétique, défi des matières premières, nous passons de la société de l'abondance à la société de la rareté avec les tensions que l'on peut avoir. Et vous avez mille fois raison, l'Europe n'a jamais réussi avoir un débat, mais y compris en France, sur quelle vision énergétique pour relever le défi économique, le défi industriel, etc. etc. Et l'on voit bien qu'il y a aujourd'hui une régulation des réseaux. Moi, je suis assez fasciné du basculement du modèle. On était dans une production de très grosses centrales avec des réseaux collectifs, on va maintenant passer dans des productions individuelles avec des réseaux, etc. Et ça, c'est fascinant parce que l'économie du partage dans laquelle nous rentrons, c'est le collectif va devoir de plus en plus avoir des approches individuelles et l'individuel de plus en plus des approches collectives. La SNCF vous envoie sur votre iPhone votre numéro de place et votre billet. Mais quand vous avez une voiture, vous avez envie de la partager. Et donc il est important qu'aujourd'hui, et l'Europe a refusé, ce qui est opinion purement personnelle, a refusé d'avoir des champions européens de l'énergie mondiale. Nous aurions dû développer EDF... On aurait dû avoir des opérateurs européens pour conquérir le monde. Or, on le fait un peu, mais aujourd'hui, cette stratégie-là, on ne l'a pas eue parce que l'Europe a une vision ultralibérale qui consistait à mettre en concurrence les champions nationaux et à mettre en concurrence les États. Et si nous n'y voyons pas garde, un, s'il n'y a pas une régulation sociale, on voit bien qu'aujourd'hui, les industries partent où la main-d'œuvre est bon marché. Et donc, c'est un choc, y compris pour nous, assez compliqué. Je disais aux États-Unis, il y a 50 ans, le premier employeur, c'était General Motors, le premier salaire était $35. Aujourd'hui, aux États-Unis, le premier employeur, c'est Walmart, et le premier salaire, c'est $9. Ça ne pourra pas durer. On voit bien que sur l'énergie, je vous en ai parlé, c'est un débat extrêmement compliqué. On voit bien sur les réseaux, on voit bien aujourd'hui le débat qu'il y a sur le gazoduc russe qui passe ou qui ne passe pas par tel ou tel, par l'Allemagne ou pas, ou par la Turquie. On voit bien la fragilité de notre société. On voit bien d'ailleurs que dans le numérique,
Si nous n'y prenons pas garde, le numérique a pour vocation de créer des monopoles mondiaux qui va maîtriser nos intelligences. C'est-à-dire que le vrai défi sur lequel nous sommes, ce n'est pas la guerre des territoires, c'est la guerre du mental. Quand Google fait une voiture sans chauffeur, quand je lui dis « mais pourquoi vous investissez dans la voiture ?», il me dit « mais nous, ce n'est pas intéressant la voiture sans chauffeur. C'est les 3 heures de liberté dans lesquelles on peut investir dans l'intelligence de l'homme pour lui apprendre à consommer, à lire, etc. etc. » Donc on voit bien que la société dans laquelle nous rentrons, qui est une société qui va, par rapport au changement climatique, avoir besoin des outils de climatisation. Le numérique est consommateur d'électricité et consommateur d'énergie. Je ne sais pas si vous aurez ce type de débat, mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'évolution numérique, les ordinateurs vont créer des besoins énergétiques. Et donc on voit bien que la puissance de production d'intelligence nécessite une capacité d'innovation et de recherche. Et enfin, le monde de demain est un monde de la recherche. Or, on s'aperçoit que 50% des chercheurs sont aujourd'hui américains et chinois. Et donc on voit bien que la dimension européenne est plus nécessaire que jamais, à condition qu'elle se mette en vision politique. Les Allemands ont pris une décision d'arrêter le nucléaire, juste ou pas juste. Ils l'ont pris de façon unilatérale, sans avoir une vision européenne. On voit bien qu'aujourd'hui, on est en rupture éventuellement de potentiel de régulation des réseaux infra-européens. Et donc moi, j'aspire effectivement à une formidable politique, une vision européenne que j'évoquais sur énergie et industrie, énergie et croissance. C'est un vrai débat. En plus, l'instabilité devant laquelle nous sommes est une instabilité assez redoutable et qui va peser sur les élus locaux. C'est une formidable chance et une formidable dramatique. C'est qu'on nous dit, à raison ou à tort, que la robotisation peut, à l'échelon de la planète, coûter 7 millions d'emplois et en créer 2. Keynes avait déjà annoncé le fait qu'un jour, l'homme inventerait peut-être des machines capables de supprimer le travail. Si le travail est un acteur de socialisation, que fait-on d'une société sans activité ? Est-ce qu'on continue à avoir des politiques de droite et de gauche qui consistent à tenter de façon artificielle à baisser la courbe de température, c'est-à-dire la courbe du chômage ? Ou est-ce qu'on essaie de réfléchir à ce que la transition énergétique, c'est peut-être aussi un pas vers une nouvelle société, de nouveaux rapports sociaux, de nouvelles constructions d'individus qui pourra se sentir utile dans une société qui, si on reste sur les schémas, le mettra dans un système d'exclusion et d'inutilité ? Et donc c'est un enjeu sociologique, philosophique, existentiel, fabuleux. Et donc l'on voit bien que derrière cette espérance nouvelle que nous apporte une impasse énergétique annoncée et une transition qui vous permet d'apporter des réponses, il peut y avoir dès l'enseignement, dès le plus jeune âge, une mobilisation d'intelligence. Je voyais à Paris, ils ont lancé des concours sur les universités, ils ont utilisé l'énergie des eaux usées pour apporter des réponses à l'éclairage public. Et Bruno, tout à l'heure, me disait que vous alliez faire des remises de prix, je crois, sur des territoires. Jamais vu autant d'initiatives territoriales, autant d'intelligence territoriale, autant de projets territoriaux. Et je terminerai là-dessus. C'est que si nous sommes vraiment dans cette économie d'intelligence et d'innovation, comment aider nos politiques, je vois Denis Baupin et d'autres, à essayer de faire en sorte que l'on puisse faire évoluer la culture de ce pays ? La culture du pays, c'est la maîtrise du présent, le contrôle du présent, c'est-à-dire que tous nos appels d'offres sont faits pour des réponses du passé, pas des réponses de demain, et nous devons évoluer sur des encadrements de moyens, sur des contrats d'objectifs, avec la liberté de choix et du chemin. Comment retrouver la notion du risque, de la prise de risque au niveau des collectivités territoriales quand le TPG ne paiera pas, si ce n'est pas dans la ligne budgétaire, etc., etc. Il faut qu'on fasse confiance au territoire. Si l'on continue à avoir un système qui contrôle tout, qui consiste à dire vous avez le droit de tout imaginer à condition de rester dans les clous, et de faire en sorte que l'on ne supporte pas le droit à l'échec, eh bien on va être dans un pays qui va continuer à demander à l'orchestre du Titanic de ne pas faire de fausses notes, mais personne ne corrigera la route du Titanic pour éviter le naufrage. Donc nous avons besoin aujourd'hui, au moment où on rentre dans la libération des territoires, la décentralisation telle qu'elle a été faite est vouée à l'échec. Parce que c'était une répartition de partage de pouvoir, pas d'objectif de challenge territorial. Et donc la fiscalité n'est pas adaptée, la capacité de décision des élus n'est pas adaptée, la capacité d'engager sur des contrats d'objectifs des chemins nouveaux est difficilement possible, on est toujours dans l'aspect un peu dérogatoire. Et moi je souhaite qu'au travers de cette transition énergétique, on mobilise aussi l'énergie de l'intelligence en acceptant de modifier nos règles prudentielles et en ayant peut-être des contrôles, des régulations, et peut-être que l'ADEME peut jouer un rôle là-dessus. Mais c'est évident qu'aujourd'hui, combien de fois je vois des gens qui disent « j'ai la solution », mais toute l'intelligence politico-administrative est plutôt administrative, et nous expliquer pourquoi on ne peut pas faire, et non pas comment on peut faire. Les États négocient, peuvent
définir une vision, les territoires agissent, vous vous rendez compte quand même comment ils sont à la manœuvre, hein. Définir la carte énergétique du territoire, aller vers le bas carbone, entraîner les communautés du territoire. Alors il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, Jean-Paul Delevoye. Je lisais deux études produites par l'ADEME qui auscultent régulièrement les citoyens de ce pays sur comment vous vivez, comment vous avez envie de participer à cette transition énergétique. Et les deltas positifs sont assez impressionnants d'une année sur l'autre sur la compréhension qu'ont les citoyens de ces enjeux individuels et collectifs, les deux, et l'expression de la volonté d'agir et d'y aller. Ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, ce seront aux territoires à transformer ces volontés de s'impliquer de chacun d'entre nous. Le pouvoir d'agir des territoires. Il y a quand même pas mal de freins à lever, non ? C'est fascinant parce qu'aujourd'hui, la lutte des identités est en train d'emplacer la lutte des classes. Et on voit bien que la disparition des frontières est en train de renforcer le sentiment identitaire et d'appartenance. Avec quelques fractures préoccupantes, c'est les identités de caractère religieuse. Et on voit bien que quelquefois, le phénomène identitaire risque de créer des fragmentations entre territoires riches, territoires pauvres, on le voit en Catalogne, etc., etc. Or, coexister, c'est faire ensemble, c'est agir ensemble. C'est pas penser ensemble, c'est faire ensemble. Et donc, le sentiment d'appartenance est un sentiment, plus le monde s'éloigne, plus les frontières s'éloignent, plus on a besoin de proximité, on a besoin d'affectivité, on a besoin de solidarité. Et dans les quartiers, je n'ai jamais vu autant d'élan de solidarité et de partage. Or, il est évident que les élus locaux ont un rôle fascinant à jouer, parce que c'est un rôle de pédagogie des enjeux. Comment, dès l'éducation nationale, dès les plus jeunes âges, je vois dans beaucoup de pays, dès la classe primaire, dès la classe paternelle, on a des enseignements de caractère de protection de l'environnement. C'est un sujet majeur, parce que quand on apprend à respecter son environnement, on apprend à se respecter soi-même. Quand on se respecte soi-même, on respecte l'autre. Or, les deux sujets majeurs du monde moderne, c'est le rejet de l'altérité, le rejet de l'autre, avec des violences et des radicalisations de rapports sociaux assez fascinants. Et c'est un vide des intériorités, comme disait Hannah Arendt, c'est-à-dire que je vis des émotions et je ne me construis pas des convictions. Or, la transition énergétique, qui nécessitera la pédagogie des enjeux, on ne peut pas demander aux gens d'arrêter de fumer en public si on ne comprend pas que la cigarette, 15 ans ça a pris. La ceinture de sécurité, 15 ans. Le changement climatique a mis 20 ans. Aujourd'hui, il n'y a plus d'eurosceptiques, de climato-sceptiques, mais ça a mis 20 ans. Donc il y a une temporalité qui aujourd'hui, le terrain est préparé pour semer. Mais semer, ça veut dire qu'il faut effectivement apprendre aux gens à pouvoir comprendre les gestes, être accompagné. Rien ne se fera, quelle que soit la qualité des documents, quelle que soit la qualité des arguments, quelle que soit la qualité des discours, rien ne pourra se faire si on ne fait pas prendre conscience aux citoyens que ce qui paraît impossible est possible, et de pouvoir l'accompagner. L'accompagner, ça veut dire aussi physiquement. Je vois bien que dans les politiques de cohésion sociale dans les quartiers, ce ne sont plus, dans certains quartiers difficiles, les équipes qui viennent de la ville qui réussissent, parce qu'on leur dit « toi, tu fais partie de l'institution, tu fais partie du pouvoir », c'est de pouvoir s'appuyer sur des personnes inspirantes, c'est-à-dire quelle est la personne dans l'immeuble qui est capable, par sa parole, d'être écoutée, d'être respectée. C'est sur ces leviers-là qu'il va falloir s'appuyer pour expliquer aux gens « voilà le chemin qu'il faut prendre, etc. » Et à partir de ce moment-là, quel est le drame de notre société aujourd'hui ? C'est la mésestime de soi. Et quand, et qui d'ailleurs, Julia Kristeva le disait, les peuples ont besoin de plus de grandeur que de pain, et l'homme a un incroyable besoin de savoir. Quand on voit, quand on pousse à l'extrême les radicalistes et les djihadistes, ce sont des convertis de fraîche date qui ont peu de convictions religieuses, mais qui sont en quête d'idéalité, et qui, dans la construction de multiples identités au moment de l'adolescence, passent brutalement. « Ah, je ne réussis pas ma vie, je veux réussir ma mort. » On voit bien qu'aujourd'hui, nous sommes dans un moment d'une extraordinaire gravité. C'est une analyse purement personnelle. Qu'est-ce qui a amené le nazisme ? Ça a été la capacité pour les Allemands qui étaient humiliés par le traité de Versailles de pouvoir retrouver une fierté au travers d'un leader peut-être charismatique et fou, mais qui leur redonnait la fierté d'exister. Quel est le cheminement dans lequel aujourd'hui notre situation est en train de mettre, notre société est en train de mettre en situation un certain nombre d'individus, c'est la situation d'humiliation. Quand on est surdiplômé et sous-payé, on n'est pas malheureux, on est humilié. Quand on est viré à 40 ans sans alternative, on n'est pas malheureux, on est humilié. Quand on est en échec scolaire, parce que c'est la stigmatisation de l'échec en France,
t'as échoué à l'école, t'es nul, ta femme est partie, t'es nul, t'as déposé le bilan, t'es nul, t'as pas de Rolex, t'es nul. Au lieu de valoriser les potentiels des gens, on stigmatise leur échec. Si nous rentrons dans l'économie de l'intelligence, l'élève qui échoue n'est pas un raté, c'est une intelligence qu'on n'a pas su mobiliser. Le type qui est au chômage, c'est pas un inutile, c'est un type dont l'intelligence méritait d'être utilisée. La personne qui est âgée n'est pas quelqu'un qu'il faut oublier, c'est quelqu'un qui au contraire peut apporter de l'intelligence. Et quand vous rentrez dans une économie de transition énergétique, où vous vous appuyez sur les citoyens pour dire « je te fais confiance, tu es capable de maîtriser ton énergie, tu es capable d'agir, et ton action individuelle peut avoir un impact collectif. » Un, vous le respectez, lui qui se sent méprisé. Deux, vous lui redonnez une fierté d'être utile par le geste. Donc vous ne mesurez pas les impacts socio-psychologiques que vous êtes en train de créer. Et je trouve que ça, c'est assez fascinant, parce que quand vous semez l'humiliation, vous créez et vous inoculez de la violence dans l'individu qui peut se retourner contre le système ou contre lui-même. Quand vous semez de la fierté, vous semez de l'espérance dans l'individu. Et l'espérance est la plus belle situation, disait saint Augustin, parce qu'elle nous donne deux enfants très beaux, la révolte contre l'inacceptable et la volonté de corriger ce qui est révoltant. Et donc je trouve fascinant le moment dans lequel on est. Ce n'est pas une transition énergétique, c'est une transition sociétale dans laquelle les politiques peuvent retrouver leur place parce qu'ils seront leaders, moteurs, porteurs d'espérance, et je trouve ça fascinant. L'espérance politique qui portera la transition énergétique. Merci beaucoup Jean-Paul Delevoye.